constat, il est évident. C'est du jamais vu. Moi, donne bénéfice du doute au speaker, mais tu crois qu'il prend un peu de retenue. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un false start. Un speaker, bizarre qu'on est qu'appelle est in the chair. Et bizarre qu'on est aussi qu'appelle la démocratie parlementaire. Et bizarre est à l'écoute des deux côtés. Fait des pas et un sentiment ou bien une perception de bias. À plusieurs reprises, Mofin Tam, mon camarade qui persiste sur les bancs du gouvernement. Il fait une remarque qui vient un parlementaire. Et votre chatan qui pourrait avoir sa élément de fairness. Il a toutes les possibilités aussi, nous pouvons considérer ça, hein, qui nous capable de mettre un case contre speaker for contempt. Parce que c'est lui qui ne fait contempt. Et ça, nous pouvons étudier bien en concertation avec nos hommes de loi et nous guette la marche à suivre. Ce qui est arrivé aujourd'hui est véritablement révoltant. Jamais le Parlement de l'île Maurice ne tombe aussi bas. Jamais il n'y a un speaker. Il y a un speaker bien fané dans les passés. Il y a un grand speaker aussi. C'est un manque de respect vis-à-vis de nous, l'histoire, vis-à-vis de nous, Parlement. Ce speaker-là, il n'y a décrédibilisé complètement. Jamais il n'y a même un nommé speaker en vérité. Je suis capable de prévoir ce qui peut arriver. En vérité, il n'y a pas un speaker. Il y a un loudspeaker de party. Il y a un loudspeaker de party. Moi, vous respectez les loudspeakers, mais celle-là, c'est vraiment un loudspeaker de party. Jamais il n'y en a ça. Et dans le public, maintenant qu'il est tout live, il est mort. Je suis révolté, mais plus triste qui révolté. Combien de temps ça peut aller comme ça? Combien de temps ça bougla pour rester dans sa chaise speaker? Là, ce qu'il nous trouve aujourd'hui, ce que la population nous trouve, il est sans précédent. Il est tellement triste, il est tellement bas, il est terrible. Nous solidaires avec le leader de l'opposition qui apparemment, d'après ce qu'il me comprend, il name pour des sittings, bien bien triste. Donc, au sein du PMSD, nous voulons aussi tenir à exprimer notre solidarité avec le leader de l'opposition et le whip de l'opposition. Alors que le speaker peut tenir cet animal-là sur l'armée, peut nous respecter, mais nous pensons que c'est lui la première personne qui faisait respecter un standing order, qui faisait un bon décorum dans la chambre et qui le speaker aujourd'hui est totalement fané. Même le leader de l'opposition, c'est aussi une façon du gouvernement pour empêcher l'opposition parlementaire de faire ce travail. Pendant des semaines, le Parlement peut siéger à la volonté du Premier ministre. De temps en temps, nous pouvons avoir un vrai agenda. Maintenant, si vous n'aimez le leader de l'opposition pour deux prochaines sessions, donc pas de PNQ, pas de PQ, et me tenir un rappel de tout. Depuis l'élection jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun PQ qui ne passe dans le Parlement. Donc nous dénonçons la façon de faire du gouvernement. Nous dénonçons la façon de faire du speaker. Nous pensons que sa situation est bizarre sans eux. On a été élus par le peuple pour notre travail. Nous passons nos responsabilités en tant que l'opposition parlementaire pleinement. Mais bizarre, si nous faisons notre travail d'un décorum correct. Ou pas capable, en piste parlementaire, exerce le droit démocratique au Parlement. Nous pouvons étudier sérieusement pour mettre une motion contre speaker. Parce qu'il n'est pas capable de Leslie get away, comment nous dire, et parce qu'il nous crée une situation qui jamais vue. Comme remercier tous mes amis de l'opposition, une solidarité sans faille, et quand même, bon besoin de dire merci au speaker pour le cristalliser et consolider davantage, ça la force de l'opposition.